このシュートは必ず決めてみせる。止めてやる。Kishida. Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Captain Tsubasa Dream Team. Ouais, donc les trois, je crois c'est peut-être les trois derniers World Juice 97, Kishida, Sano et Sorimachi. En rate-up, le Sawada vert, pardon, le Yuga vert et le Shimazu rouge. Puncher et qui te remplit la stam, enfin qui te remplit le full power assez rapidement. Donc voilà. Donc Kishida, on l'avait attendu, on l'a attendu très longtemps pour qu'on ait un SSR natif viable. Beaucoup de choses aujourd'hui à voir. On va essayer d'être rapide et concis. Hop. On va regarder. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Déjà, les trois joueurs ont un éveil du potentiel, donc ça c'est sympa. Il y a les autres, bien évidemment, World Juice 97, le Tsubasa, etc. Franchement, j'aimerais bien voir le Mizugi. Je ne vais pas vous mentir, le Mizugi, j'aimerais bien l'avoir. Ce serait sympa. Ou le Ishizaki. Je cracherais vraiment pas sur le Ishizaki. J'ai aucun Ishizaki fort. Hein. Ça faut le noter. Donc, un step jusqu'à 8 paliers. Et au bout du 8e palier, tu as un ballon noir 20, niveau 20. Donc il va te monter ta SP de 20 points. Le sixième step, c'est un joueur bannière garanti. Voilà. Et step 4, un joueur garanti, SSR garanti, mais ça peut être n'importe quel. Ça peut être un 97 ou un lambda ou même un SSR de 2017, quoi. On va juste regarder juste un tout petit truc probabilité du palier 4. Juste regarder comme ça. Pour voir un peu les taux. Comme on a mis l'Ethan, on est dans les taux. Donc déjà, pour le palier, on a la première multi offerte. Donc il se peut-être qu'on a beaucoup de chance. Mais généralement, les multi offertes, c'est pas la joie. Hein. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas la joie. Donc 8,33. Ah voilà, donc c'est ça. Donc en fait, je voulais juste voir ça. En fait, t'as voilà, les joueurs bannières, donc c'est bien ça. Donc c'est pas que Kishida, Surimachi ou Sano, ça comporte aussi Yuga, Sawada et Wakashimazu, les trois joueurs de la Toho. Avec Surimachi qui est aussi de la Toho aussi, bien évidemment. Donc voilà, il y a aussi un Yumikura. Hop, on va fermer. Hop, voilà. On va dans info vite fait, comme ça j'oublie rien. Il y a aussi un Yumikura à récupérer lors de l'event PVP. Il y a aussi le conf versus conf. Voilà, aujourd'hui. Il y a aussi une nouvelle spé à monter à 80 interceptions forcées avec notre ami Victorino. D'ailleurs, Victorino et Pasquale ont été annoncés. Ça y est, Dreamfest. Donc double Dreamfest avec un côté Victorino et un côté comment il s'appelle, Victorino et Pasquale. Voilà, Pasquale Dreamfest. Ça y est, Pasquale a enfin son Dreamfest et Victorino aussi d'ailleurs. Donc voilà, nanana, tac, tac, tac. Par contre, je sais pas où est-ce qu'il se cache. Peut-être il se cache là. On va essayer de voir là. Peut-être que le Dreamfest est en fin d'info. On va voir s'ils sont là, mais j'y crois pas. Hein. Non, ils sont pas là. C'est pas grave. De toute façon, j'oublie. Il y en a un qui est vert, il y en a un qui est bleu. Je sais plus c'est lequel. De toute façon, vous allez voir sur mon Twitter. Je vous ai mis la bannière. Là, j'ai pas le temps de regarder. Il y en a un qui est bleu, il y en a un qui est vert. Donc voilà. Je vais te regarder tranquillement. De toute façon, bien évidemment, je vais faire une vidéo pour le Dreamfest. Je pense pas que je vais invoquer, mais au moins, je vous les présenter. Et on va voir qui c'est qui sera en rate-up avec eux. Et voilà. Voilà. Donc comme je vous ai dit, il y a le Yumikura, donc on va y aller tout de suite, on va pas perdre trop de temps parce que je bavarde trop, moi je bavarde trop, je dis n'importe quoi, enfin c'est pas je dis n'importe quoi, mais je... voilà, je
parle trop. On va aller directement voir les joueurs, répertoire joueur. On va commencer par le Yumikora, comme ça au moins les, comme ça j'oublie pas. Comme ça je ne l'oublie pas. Yumikora, où est-ce que tu es? Je sais même pas où est-ce qu'il est. Franchement, je sais même pas où est-ce qu'il est. Je sais pas où est-ce qu'il est, pardon. Ah, il est là, hop. On va voir collection. Donc ça c'est le dernier. Hein. Il est là. Ah, il est rouge. Très bien. Très bien. Donc c'est un joueur coffre. C'est un joueur gratuit. Hein. Donc si tu fais un bon classement au PVP, bah, tu l'as. Donc milieu défensif et au milieu offensif rouge. Donc il fait partie de l'équipe RJ7, Japon. Donc il rentre pas dans la méta club. Mais dans la méta plus soit couleur ou soit nationalité. 862 en endurance. Pas terrible. Attaque 19744, 6009 en dribble, 6445 en tir et 6385 en passe. Donc c'est assez équilibré, hein. C'est assez hybride, c'est assez bien. Ça va, ça c'est bien équilibré quoi. C'est voilà, c'est assez homogène. Défense 12 029 tout simplement. Tacle 4447 en tacle, 2689 en compte, on s'en fiche. Et 4009 en interception. Très faible, très très faible en défense. Donc sa spé la plus forte, c'est un dribble. Et le tir est juste après et passe. Donc c'est ça peut être assez sympa, surtout pour le road, pour d'autres events, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Physique 15656, 5005 en rapidité, 4008 en puissance et 5002 en technicité. Hop. Il donne à tous les joueurs de la RJ7 20%. Ça, c'est pas mal. Et aux autres joueurs japonais, 7%. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Et maître de la zone centrale, donc bien évidemment, soit tu le mets 6 ou soit tu le mets numéro 10 pour qu'il ait ses 20%. C'est pour ça que ses stats ne sont pas fortes. Mais quand il a le passif activé, ça peut faire la diff. Mais bon, est-ce que c'est un joueur extrêmement fort que tu vas jouer en PvP, etc.? Je crois pas. Je suis pas convaincu en fait. Même malgré son passif, je suis pas convaincu. Ciseaux à grande vitesse, 235 de coupe qui peut monter jusqu'à 405 d'intensité. Tacle coulissant rapide. 335 pour 375 d'intensité et passe feuille morte 185 pour 315 d'intensité quand il est monté à 80. Là comme ça, je le mettrais plus numéro 10 vu qu'il n'a pas d'interception. Je sais pas s'il y a un Yumikora qui donne une interception. Je crois ah bah si je crois qu'il y a un je crois qu'il y a un Yumikora farmable, je crois qu'il y a le farmable, je crois. Il y a un Yumikora farmable, je crois. Et je sais plus qu'est-ce qu'il donne. C'est pas lui. Je crois que c'est lui, non? Ah bah voilà. C'est lui. Interception rapide B60. Donc tu lui mets le B60. Donc ça peut être un joueur complet. Mais à part pour le road. Voilà. Je sais pas. C'est pas un joueur forcément que tu vas vraiment. Bah, en fait, son. Comment dire? En fait, son. Comment s'appelle son leader skill, il n'est pas extraordinaire. Ça, il donne que des bah, il booste que les comment dire les RJ7. Voilà quoi. Donc, à part si les RJ7 demain deviennent rentrent dans la méta club, ce que je ne pense pas, parce que les RJ7 n'est pas un club, c'est une sorte de sélection parallèle. Ça sert un petit peu à rien, à part pour la collection et comme je vous dis pour le road. Pour être sûr que ça passe, malgré que ça passe tout le temps. De toute façon, il n'y a pas de souci. J'ai jamais eu de problème pour. J'ai aucun Kishida. Et c'est ça, natif. Voilà. C'est pas un truc de ouf. Ah, attendez. J'ai vu le Kishida. Il est là. Hop, on va commencer par Kishida. Comme ça, on va être tranquillou. Donc, le premier Kishida SSR natif. Hein, parce que le reste, c'est du coffre. Donc, il est là. Donc on va tout de suite regarder le potentiel. 1035 d'endurance. Il est bleu. Il est défenseur. Il joue pour les World Youth, bien évidemment. 13078 en attaque. 5003 en dribble. 2006 en tir. Et 5000 en passe. Dribble, il n'est pas trop dégueu. Mais bon, avec un défenseur, il vaut mieux éviter. À part si tu as un dribble
Si tu as une TS de dribble et que l'attaquant n'a rien du tout, là tu peux essayer. Mais sinon, il faut éviter. Faut éviter. 22 020 en défense, 7164 en tacle, 6005 pardon, en contre et 8282 en interception. Très 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 fort l'interception. Donc lui franchement, il faut le jouer plus en latéral, en défenseur latéral, parce que son contre est faible. Quand tu te manges des grosses frappes et que tu mets ton contre, bah forcément 6006 face à un Yuga, face à je sais pas, un autre joueur très fort, bah ça passera pas. Par contre, s'il est sur l'aile et que tu as un centreur, un mec qui va essayer de faire une passe, qui va essayer de centrer, là il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc c'est plus dans un côté, soit côté de gauche ou soit côté droit, c'est toi qui choisiras si tu drops le joueur. Mais c'est pas mal. 8282, c'est vraiment pas mal du tout. 17 000 en physique, 5003 en rapidité, 5002 en puissance et 6382 en technicité. C'est très bien, assez bien réparti, je trouve. Technicité avec interception, c'est pas trop mal. Ballon et ballon bas, normal, ça on s'en fiche pour un défenseur. Alors, il donne à tous les jabs bleus 17%. Ça, c'est pas mal du tout. Voilà, si tu as une jab, en plus, il y a moins maintenant de faire une belle jab bleue. Ça peut faire mal. Il faudra peut-être faire des tests, essayer de mettre une, commencer à emboîter des jabs bleus forts, plus ce Kishida là. Je crois qu'il y a d'autres joueurs qui donnent le même leader skill. Donc tu peux monter à 30, si je compte bien, 36%. Si c'est ça, 36%. Donc, non, non. Non, pas 36% plus. Non, 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 plus, 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 plus. Attendez. Là, il faut que je calcule dans ma tête. 45 et 6, on est à... Oh, on est presque à 50, on est presque à 51%, je crois, si je dis pas de bêtises. 17 fois 3. Je crois qu'on est à 51, je crois, si je dis pas de problème, si je dis pas de bêtises. En tout cas, mettez-moi ça en commentaire. Malheureusement, j'ai pas de calculatrice à côté de moi, donc voilà. Le passif. Renforcement de l'interception automatique activé sous une probabilité, certaines probabilités, donc on ne sait pas. Et bien évidemment, la stam coûte, ça vous coûtera 0 de stam, donc pas mal, mais on ne sait pas de combien. Ah, 70%, je viens de voir le petit 70%, donc très très bien, très très bien. Donc, interception automatique 70%, que ça se déclenche un peu comme le Karlsfest rouge, donc pas mal. Ah, il est assez sympa le Kishida, assez sympa. Mais comme je dis, il faut vraiment le jouer sur le côté, un peu comme un... Bon, rien à voir avec Senaldo, mais voilà, il faut mieux le jouer sur un côté, je pense que c'est sa place. Interception pleine de courage, donc forcément, l'ATS principale, 380 de stam, 440 en intensité max. Tacle du requin, S99, ah, le fameux tacle du requin, 395 en coup et 405, c'est très très peu. C'est très très peu, le tac coûte assez cher pour une intensité quasi équivalente. Voilà, dribble du... Ah, voilà le dribble du requin, parfait. Non, franchement, parfait. Là, par rapport à ses stats et les TS, c'est parfait. À 80, 225 pour 315 d'intensité max. Très sympa le Kishida, très sympa, j'aime bien. J'aime bien le Kishida. Bien sûr, si je peux le dropper... Lors de la multi gratuite, on crachera pas dessus. Alors, attendez, Surimachi Sano. Donc, Sano, c'était le deuxième Sano Warlords 90. On avait le gratuit, potentiel d'ailleurs. Et là, c'est le deuxième. Là, c'est le invocable natif qui lui aussi est. Ah, attendez, 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 attendez. Attendez. On a oublié un truc. On a oublié un truc. On a oublié un truc pour le Kishida. On a oublié l'éveil du potentiel, pardon. J'ai oublié. J'ai oublié un volet, j'ai oublié un onglet. Voilà, hop, voilà. Donc il va vous falloir des insignes Gamo. Genre à peu près peut-être 25. Généralement c'est ça. Donc il va résister à tous les. Il va résister au terrain cabossé. Donc tout ce qui est event où le terrain va être cabossé. Donc lui, il sera parfait dedans. Il diminue les adversaires de type rouge. En duel, moins 10% sur full stat. Ça, c'est très très fort. Ça fait très très mal. Ça peut faire très très mal.
face à un rouge. En duel, face à un rouge, il lui fait mal. Il lui fait assez mal. Un debuff qui peut faire. Ouais, franchement, pas mal, pas mal. Franchement, pas mal du tout. Tueur de tir, flottant, bas. Alors, tout ce qui est reprise. Donc, par exemple, la reprise de Napoléon à 80. Par exemple, le jumping Raiju shoot avec Yuga et Tsubasa. Il prend 100%. Donc, en fait, il double. Il double ses stats. Le Kishida, donc ça peut être très 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 fort. On aurait. Bon, après, ça aurait été complètement insane, mais ça aurait été plus une passe encore. Passe en balle flottant ou passe dans la surface. Bon, après, le joueur devient complètement dingue. Mais vu qu'en contre, il n'est pas terrible, il faudra peut-être le limit break de ce côté-là, peut-être un peu dans le contre. Faudrait voir avec Mitch quand il fera sa vidéo. Et il faut lui mettre un contre. Il faut lui mettre un contre S. Je connais très mal les Kishida qui donnent un contre. Compliqué, ça avait du potentiel. Un peu compliqué. Je sais pas si ça va faire l'affaire. Voilà. Et flottant. En fait, voilà. Flottant en haut et flottant en bas, il double ses stats. Faut voir. Franchement, faut voir. Attendez, on va juste regarder, on va juste re-regarder le contre. Il est à 6005. Donc, si tu doubles, il passe à 12000. Sans compter, bien évidemment, les différents leader skills, etc. Attends, le passif, c'est quoi? Bon, le passif, ça n'a rien à voir. Ça peut être fort. Hein, ça peut être fort. Hein, mais par contre, tout ce qui est ballon haut, tout ce qui est ballon bas, c'est dans la surface. Donc il va falloir que ce soit dans la surface pour qu'il puisse jouir de cette compétence potentielle. Faut voir, faut voir. C'est un petit peu dommage parce que encore il serait fort en contre. Là oui, mais de toute façon, s'il serait fort en contre, ce serait très déséquilibré. Ce serait assez déséquilibré. Ok, le serait matché avant le salaud. Voilà. Le Letko fait jamais les choses comme les autres. On avait eu un serait matché aussi gratuit, hein, potentiel que j'ai monté. Il est rouge. On va le monter. La carte est assez sympa. Attaquant, par contre, il n'est pas double poste. J'aurais voulu plus double poste. 1060 d'endurance. 19345 en attaque. Donc 5800 en dribble. 7600 en tir. 5800 en passe. 14693 en défense. 5005 en attaque. 3600 en contre. Et 5005 en interception. Donc c'est assez cohérent. 16835 en physique. 5003 en rapidité, 6002 en puissance et 5003 en technicité. Donc c'est assez, c'est bien. Franchement, physique, je trouve que c'est assez bien réparti. La puissance est équivalente pour le tir, c'est très bien. Ballon bas, il est bon. Et ballon haut, normal. Donc il doit sûrement avoir une. Non, même pas. Non, il n'a pas de. Il a pas de reprise. Il faudrait voir un sourire matché qui donne une reprise. Je crois qu'il y en a un qui donne une reprise. Ça serait sympa. Donc il donne à tous les japs, donc là c'est super cohésion, au moins 8 japs rouges et il donne 15% pour toute l'équipe. Voilà, donc s'il y a 8 joueurs japs rouges, après le reste ça peut être n'importe quoi, tout le monde va jouir de la cohésion 15%. Ça peut être sympa, l'équipe rouge est pas mal, bah, déjà t'as le Wakashimazu Worldus 97 en gardien. Je sais pas, t'as encore qui. Bon, t'as aussi le. Par exemple, tu as le Ishizaki World Cup 2018 de l'année dernière, qui est assez fort en défense, qui est encore jouable. Par exemple, tu as le Soda Collège, très fort. Par exemple, en défense, t'as le Mizugi World Juice 97, très fort. Déjà, je t'ai fait une défense rouge, jab très forte. En milieu de terrain, bah bien évidemment, tu as le Tsubasa, Super Dream Fest. Tu as le nouveau Misaki Super Sub 97. En attaque, en rouge, Jap. Malheureusement, à part le. Que je trouve fort, hein, à part le Yuga World Cup 2017, il n'y a pas beaucoup d'attaquants rouges très très forts. Là, comme ça, là, je vois pas. Là, comme ça, je vois pas. Bref, il y a moyen de faire une bonne équipe. Franchement, il y a moyen de faire une bonne équipe. Jab rouge. Et après, comme je t'ai dit, tu peux rajouter, je crois, deux joueurs.
rouge, qui vont jouer de tout ça. Sympa, très sympa la compétence passive du Surimachi. Et lui, il a le super sub. Voilà, comme notre ami le Misaki, que je viens de dire, qui lui aussi est rouge, et qui a le même passif. Par contre, je ne me rappelle plus du pourcentage, mais ça doit être à peu près la même chose. 15 ou 20%, je ne sais plus. Donc là, il prend 20% quand tu fais rentrer en seconde période, comme le Matsuyama, le Urabe, et maintenant le Surimachi, et voilà. Pierre de l'ombre, 420 pour 455 d'intensité, c'est assez... Ouais, c'est pas extrêmement fort. Tu pourrais l'utiliser, par exemple, quand le gardien est quasiment mort, là, tu peux l'utiliser, là, normalement, ça devrait passer. Surtout si tu fais rentrer en deuxième mi-temps, etc. Donc là, ça peut passer. Dribble en feinte, S99, 215 pour 175 d'intensité. Passe puissante à 80, 150 de stam pour 250 d'intensité. Voilà. Donc voilà. On va voir le passif. Donc lui, il ne subit pas les effets de la neige. Très bien. Désactivation du scellement, de deux scellements de la TS pour soi-même, c'est bien. Résistance à diminution des paramètres de 100% des effets paramètres pour soi-même, donc ça c'est bien. Par exemple, quand il y a un debuff, il va être résistant. Il y a le Nita, c'est vrai. Vu que maintenant je vois il y a le Nita rouge World Juice 97 qui est sympa, surtout en termes de dans le domaine défensif, parce que le Nita a une interception automatique de, je crois, 70-60%. Un gros pourcentage, voilà, d'interception automatique. Donc ouais, donc tu peux mettre lui et le Nita devant. Est-ce que ça fait le café? Je sais pas, faudra voir. Donc quand il y a Nita sur le terrain, il prend 5% supplémentaire. Et là ça peut être pas mal. Là ça peut être pas mal du tout. Non, sympa. Sympa le Surimachi. Sympa. En tout cas, son leader skill est très sympa. Et on va finir avec le Sano. Le Sano, il est là. Donc Sano aussi qui a eu son joueur gratuit World Juice 97 à monter avec Tsubasa. Il est vert. Attaquant milieu offensif, ça c'est très bien. Voilà, moi il a les deux postes. 1025 d'endurance, 21110 en attaque, 7215 en dribble, c'est sympa. 5867 en tir, 8028 en passe. C'est un ouf de passe. Là, lui, c'est plus un... Voilà. Lui, c'est plus... Soit tu le mets sur le côté, tu joues avec trois attaquants, tu le mets sur le côté. Ou sinon, tu le mets milieu... on va voir peut-être... Attends, je regarde son passif. Ok. Donc, tu peux le mettre sur le côté, par exemple. Voilà, comme un ailier, ça peut être très sympa. 12 000 en défense. Bon, défense, 4 600, 3 000 et 4 800, on s'en fiche un tout petit peu. 18 000 en physique, 6 006 en rapidité, sympa. Puissance, on s'en fiche. Et 7150 en Tixit. Donc franchement, les trois joueurs, en termes de physique, ça a été plutôt bien réparti, je trouve. Franchement bien. Balle bas, très bon. Très très bon en balle bas. Très sympa. Et il est World Juice. Hein. Je ne l'ai pas dit pour les autres, mais les autres sont World Juice. Donc lui, il a le grand réveil des joueurs tech. Donc il donne à tous les joueurs tech. Jap, 17%. Donc là, il y a moyen de faire vraiment une belle équipe tech. Déjà, t'as le Waka, Dreamfest Tech, voilà, déjà, pour commencer. T'as le Mizuki Potentiel Tech, t'as le Sawada Tech, t'as le Yuga World Juice 87 Tech. Non, il y a vraiment moyen de monter une belle équipe Jap verte assez forte, vraiment assez forte. Il place tous les ballons, tous ses centres sont des balles bas. Bon, ça, c'est bien pour les reprises, par exemple, si tu veux faire la reprise avec Yuga ou avec n'importe quel joueur. Donc, comme je t'ai expliqué, c'est vraiment un ailier. C'est plus un... Je le mettrais ailier, moi, en tout cas. Soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit. Passe acrobatique S80, 215 pour 455 d'intensité. Donc là, ça, par contre, je la trouve intéressante. Parce que la différence entre le coup de stam et l'intensité est vraiment grande. Donc ça, c'est bien. C'est très, très bien. Dribble de la souris, 405 d'intensité et 235 en coup de stam. Donc très bien aussi. Et frappe direct, volée acrobatique à 80... 295 pour 293 dans le C. Donc là, par contre, le ratio est moins intéressant. Est vraiment moins intéressant. La compétence passive, donc lui, quand il, pour tous les,
il résiste à la pluie. Voilà, on va dire les choses simples, il résiste à la pluie. Et désactivation du scellement de deux scellements inactifs, deux scellements de la pièce par soi-même, donc ça c'est bien. Il récupère 80% plus rapidement. Non, plus 50%, pardon, excusez-moi, plus 50% rapidement. Ah ouais, d'accord, donc en fait, il donne un boost de 5% sur la TS d'une reprise d'un joueur japonais. Ah ça, ça c'est assez intéressant, ça. Ah, lui, le Sano, ce serait vraiment... Il serait très sympa, par exemple, avec Sawada et le Yuga 97. Enfin, le Sawada 97 et le Yuga 97, là, par contre, il peut être très sympa. Et là c'est sympa, là. Là, ça peut être très sympa. Donc, il est dans... Déjà que le Yuga a un boost grâce au Sawada. Si, en plus, tu fais un centre... Forcément, c'est un centre balle bas. Donc, si tu as le Tsubasa, par exemple, rouge... le Tsubasa, en fait n'importe quel Tsubasa, qui va pouvoir faire son jumping Raiju Shoot, donc il a encore un deuxième boost de 5% supplémentaire sur l'intensité. Ça peut casser des bouches, là clairement ça peut casser des bouches, ouais ça peut casser des bouches. Lui par contre il va lui falloir des insignes Mario. Et le dernier passif, augmentation de la distance de mouvement lors de... D'accord, ok, donc en fait quand il dribble, quand il reçoit un dribble, eh ben, il gagne beaucoup plus de terrain, un peu comme un... Bon, rien à voir, mais comme un Oeran, quand il fait le 1-2, le Oeran rouge, quand il fait le 1-2, il a traversé quasiment tout le terrain. Ben là, c'est la même chose. Donc là, il va augmenter sa distance. Comme je dis, franchement, pour moi, lui, c'est parfait sur le côté. Vraiment, sur le côté, ce serait parfait. Vu qu'on laisserait Sawada, moi je laisserais Sawada en 10 ou en 6 et je mettrais lui sur le côté. Non, non, très 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 sympa le Sano. Franchement, dans une équipe verte Jap, très sympa. Très 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 sympa. Écoutez, je pense qu'on a vu tous les joueurs qu'il fallait. Hein, si je dis pas de bêtises, on a vu le Yumikura gratuit lors de la Tsubasa Halloween Cup. On va aller voir. Recrutement, donc là je suis quasiment à 100 Dream Ball. On va faire la... on va claquer des tickets. Hop, je sais que vous aimez bien ça. On va faire les 4 tickets SR. On va voir si on a de la chance. Hein, mais je crois pas. J'y crois pas. Les tickets SR, généralement, je ne vois pas grand chose. Hein. Non, 3 pigeons. Rien du tout. Ok. D'accord, très bien. Retour. On va faire la multi gratuite à la fin. On va cloquer tous les tickets Halloween. D'ailleurs, j'ai 10 tickets qui me restent pour les missions événements, mais il me faut le ticket 3. C'est pas bon signe. Ah, attends. Attends. Ouh. Attends, c'est ça. Oui, on en a un. Attends. On en a deux. On en a deux sur les tickets. On en a deux sur les tickets. Attends, c'est un truc de ouf là. Moi, je l'avais déjà lui. Vulcan. Mais je crois que... Attends, mais c'est bizarre parce que je l'avais déjà lui. Oh putain. Oh le... Eh franchement, le Misaki Kalifazi, là, boomerang, il me rend ouf. Hein. Bon, bah Vulcan, ouais. De toute façon, on prend. De toute façon... Les tickets R+, on prend. Ah, c'est un truc de ouf, ce qui vient de se passer. On va cliquer les 4 derniers. Après, j'en ai encore 10 derrière à récupérer. Ah, putain, par contre, j'y croyais aux joueurs... Bon, ça sent la merde, là. Là, ça sent la merde. Allez, on finit. Full SR, c'est sympa. Voilà. J'y croyais aux joueurs... Je m'attendais sur un Kals ou ça... Un des joueurs Halloween, quoi. Franchement, un des joueurs Halloween, j'ai pas eu de chance, là. Enfin, j'ai eu de la chance, mais en même temps, j'en ai pas eu. attends, on va faire les tickets SSR après. Attends. Non, c'est bon, je crois que ça y est, on y est. Hein. Eh ben, écoute, on va faire ça. On va faire le premier ticket SSR. Au moins un que j'ai pas, s'il te plaît. Je m'en fiche n'importe lequel, j'ai pas. Bon, là, forcément, il n'y a pas de suspense. Allez, on saute. C'était pas le bon Rivaol. C'était pas le bon Rivaol, ok. Ça servira pour le mixeur. De toute façon,
C'est beau, hein? C'est beau de voir ça. C'est très joli. Allez, on skip. C'est mon triplon. Eh, c'est mon triplon. Je viens de l'avoir, hein? Je l'ai eu il y a 2 semaines ou 3 semaines, je l'ai eu. Eh, c'est incroyable. Eh, lui, il me lâche plus, c'est fini. Le bonnet qui me lâche plus. Il me lâche plus. D'ailleurs, le Dreamfest, il pouvait tomber. Je lui donnerais son contre. Ce serait sympa. Bon, ma Bounac. De toute façon, je m'en doutais que c'était des doublons. Donc, bon, voilà. Allez, la multi gratuite. Si ça pouvait tout rattraper, ça serait génial. Mais bon, j'y crois pas. Je crois pas trop. Il y a le chance. Il y a rien. Flèche bleue, ça sent pas très 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 bon. Non. Non, 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 non. Attends. C'est jamais, hein. Non. Non, bon, bah, multi gratuite. Rien du tout. Donc voilà. Donc dommage pour le Halloween. Le nouveau soleil magique qui nous donne le gros tacle. Ça peut être utile à mettre bah, au nouveau soleil magique. Ça peut être sympa vu comme ça. Au moins s'il y a un défenseur qui a oublié de dégager le ballon et qui n'a pas de TS pour dégager le ballon, bah là tu peux lui prendre. Voilà par exemple. Voilà, bon, bah, écoutez. Et ben c'est comme ça. Et ben voilà, très bien. Très très bien. On va gagner notre Dream Ball, on a un ticket. Ouais, la petite multi à 30. Non, non, on va être raisonnable. De toute façon, j'en ai pas besoin de ces joueurs-là. Même s'ils sont intéressants. Si vous jouez Jap, ça peut être très intéressant. Franchement, ils sont pas trop dégueux. Ils sont pas trop dégueux. Apparemment, on a un cadeau. Je sais pas ce que c'est. On va voir ça tout de suite. Hop. Hop. Ok, on revient. Pas du tout de cadeau. Après, je vous laisse. Je vous laisse. Je ne vous inquiétez pas. Je vous laisse. Un petit peu dégoûté là. Franchement, pour les tickets Halloween, j'y croyais. Ah, bah très bien. Bah voilà, ma centième Dream Ball, elle est là. Merci Club. Voilà. C'est là-dessus, les amis, qu'on va s'arrêter pour la vidéo analyse des trois joueurs, trois nouveaux derniers. Enfin, je crois même c'est les derniers joueurs World Juice 97. Normalement, si je dis pas de bêtises. Donc comme ça, au moins c'est complet. Si vous avez décidé vraiment de faire une équipe World Juice 87, c'est peut-être le moment, mais bon, il dure 4 jours. Et comme je vous expliquais, je vous le rappelle, le Dreamfest, le prochain, Victorino et Pasquale qui vont arriver très 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 prochainement. Voilà, la semaine prochaine. Je vous kiffe, portez-vous bien et pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros like et activer la petite cloche quand il y a une vidéo. Vous êtes les premiers à savoir qu'il y a une vidéo. Vous la regardez, vous la kiffez, vous la partagez. Je vous kiffe. À la prochaine. Ciao!